invité ce matin à RFM Matin est Don Mohamed Ali Mouba. Nous fait ici la synthèse. L'homme ne dévoile pas son nom, mais il est malade. Malade du coronavirus. Alité, de son lit d'hôpital, il se confie. Il raconte son premier contact avec la maladie. C'est comme un début de grippe. De la fièvre, de la fatigue, des maux de tête. Une grippe normale, même un début de paludisme. Une grippe bénigne qui finit par se révéler positive au coronavirus. Et pourtant, au début, il n'y avait pas pensé. En fait, pour dire vrai, je voyage beaucoup. Mais je ne peux pas vous dire exactement où est-ce que j'ai chopé ce virus. Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai été contaminé. Je ne sais pas. C'est pour cela qu'il faut éviter de stigmatiser. C'est alors qu'il appelle le service du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a suivi le protocole en la matière. D'abord, ce sont des tests. On t'interroge ensuite. Après le test, si c'est nécessaire, on vous envoie à l'hôpital, au confinement. On s'occupe bien de nous là-bas. Aujourd'hui, il se sent mieux. Mais l'homme avertit, les médecins n'ont pas de poudre magique. À vrai dire, il n'y a pas de médicaments spécifiques. On cherche à guérir les symptômes. Il n'y a pas de thérapie en tant que telle. On vous met quelque part, on vous confine, mais le personnel s'occupe bien de vous. Mais comment il se sent dans son isolement, lui et ses compères malades, tous à l'idée, loin des siens. On se porte bien, on n'a pas mal, mais on sait qu'on est porteur du virus, du coronavirus, mais quand même, il y a du stress lorsqu'on est confiné. On pense à ses parents, c'est difficile. Pour le moment, l'homme assure qu'il n'y a pas de complications, mais il invite tous les Sénégalais à suivre les recommandations des professionnels de la santé pour ne pas exposer inutilement ses concitoyens à la catastrophe.